Pour le schéma sectoriel port et aéroport, nous nous sommes fixés comme objectif principal l'élaboration d'une vision consulaire prospective sur les ports et aéroports de la région dans l'optique de chercher à satisfaire les demandes économiques. Nous avons défini 4 sous-groupes de travail par typologie d'équipement, ports fluviaux, ports de commerce maritime, ports de plaisance, aéroports. Nous avons réalisé un état des lieux structurel et fonctionnel, recueilli des grandes tendances, défini des orientations et des actions régionales autour d'une ambition régionale, territoire d'échange exemplaire. La question que l'on se pose, c'est quelles actions la CCI de région et son réseau régional de CCIT peuvent-ils mettre en œuvre, seuls ou en partenariat, pour améliorer la mobilité en région et la performance du système de transport régional. 3 orientations d'action régionale. Donner au réseau régional CCI un rôle de force de proposition, renforcer l'adéquation entre l'offre des équipements et les demandes, inscrire les équipements dans une démarche de développement durable. Nous formulons des propositions d'action régionale. Les propositions ne portent pas sur la conduite opérationnelle des équipements, mais sur une vision stratégique. 4 paquets de propositions par type d'équipement, ports de commerce fluviaux, ports de commerce maritime, ports de plaisance et enfin aéroports. J'étais en charge du groupe de travail port maritime, donc Marseille, Toulon et Nice. Marseille, bien évidemment, est par ses enjeux, par sa taille, par ses trafics, tellement différent des deux autres que nous avons immédiatement identifié des enjeux qui sont à l'échelle européenne et nationale, puisqu'il s'agit de tout l'approvisionnement de l'Europe en général par la porte sud et par ses réseaux fluviaux, ferrés, routiers. S'agissant de Toulon et de Nice, nous sommes sur des ports départementaux à enjeux plutôt régional qui servent à l'approvisionnement à la fois de la Corse et de leur propre territoire avec des dimensions de passagers touristiques vers la Corse, mais également, et là en l'occurrence avec Marseille aussi, un élément important et en grand développement qui sont les trafics de croisière. On a vu notamment le rôle très important des plateformes logistiques qui sont réparties sur la région PACA et la nécessité de travailler sur les reports modaux, donc du routier en voie de saturation vers les autres modes et notamment le rôle du maritime à cet égard. Nous avons donc proposé 4 axes de travail. Le premier porte sur la logistique, en relation avec le schéma sectoriel aménagement du territoire sur les plateformes logistiques de la région et le rôle du maritime. Ensuite, de coopérer au niveau de la façade sud-méditerranéenne, de poursuivre nos coopérations, notamment dans le domaine de la croisière, et enfin de nous concerter sur l'ensemble des mesures environnementales, sociales et sociétales à promouvoir ensemble. En ce qui concerne les ports fluviaux, le groupe a prévu 8 actions majeures réparties en 3 groupes. Dans le premier paquet de mesures, on trouve le lobbying et la promotion. En particulier, la participation de la CCI régionale au comité des ports. C'est très important car le comité va définir la stratégie du bassin Rhône-Saône à moyen et à long terme. Et puis, il y a le débat public 2013. La CCI régionale doit s'engager et développer un argumentaire pour promouvoir la liaison à grand gabarit entre l'axe Rhône-Saône et le bassin du Nord. La CCI régionale doit accompagner les ports fluviaux dans leur développement, d'où un deuxième paquet de mesures. Il faut améliorer les conditions de navigation et l'accessibilité aux ports fluviaux. Ensuite, il faut contribuer à l'émergence de filières spécialisées pour chaque port. Ici en particulier, promouvoir un pôle engrais, faire le lobbying du transport fluvial à l'échelle régionale. Pour le dernier paquet de mesures très opérationnelles, nous proposons de développer des services nouveaux pour le commerce et pour la croisière et de développer une démarche de certification environnementale. Les chambres de commerce territoriales gèrent aujourd'hui 10 ports de plaisance avec un professionnalisme et des compétences reconnues.
Elles sont jugées proactives, neutres et transparentes. Elles font preuve d'une bonne gestion du patrimoine et cherchent à maximiser l'intérêt général. Quelles sont les actions régionales que nous proposons? Tout d'abord, une coordination au niveau de la CCIR, car la politique de la mer, de la plaisance, des ports et de la filière nautique nécessite une vision au niveau régional pour définir et soutenir cette politique et en assurer la déclinaison et la cohérence au niveau des chambres de commerce territoriales. Deuxièmement, positionner les chambres de commerce territoriales comme interlocuteurs clés au sein des conseils portuaires. Troisièmement, créer au sein de la CCIR un groupe d'intervention formé avec le personnel des CCIT qui, après analyse des situations, préparera des propositions aux concédants et aux gestionnaires afin de les aider à améliorer le service à la filière et aux plaisanciers. Ce groupe préparera également les dossiers de candidature en cas de renouvellement de concession ou de délégation de service public, là où la présence de la CCIT pourrait améliorer la situation de nos ressortissants et le développement économique local. Ce groupe proposera également son aide aux concédants et concessionnaires pour préparer la réalisation des projets nouveaux et leur financement. Équipements portuaires, extensions, ports à sec, zones de mouillage, cales de mise à l'eau, entre autres. Quatrièmement, créer, en collaboration avec les collectivités, un observatoire statistique sur l'occupation des ports, les trafics plaisance et les retombées sur la filière nautique. Le schéma s'intéresse également à la dimension des aéroports, qui est une grande activité dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a 4 grands aéroports et 2 petits aéroports qui viennent compléter la cartographie. Il faut rappeler qu'en région, on assure 25% du trafic régional avec 2 très grands aéroports arrivés à maturité qui sont Nice et Marseille, et Toulon et Avignon qui viennent compléter cette cartographie qui est bien représentative d'ailleurs des zones de population de cette région. La première action régionale qui est proposée dans le schéma sectoriel est de doter la Chambre de commerce et d'industrie régionale d'une vision stratégique. Quelle est cette vision? C'est d'une part de maintenir le maillage de la région par ses 4 grands aéroports qui représentent un atout considérable pour le territoire. C'est d'autre part parce que cette vision est partagée de l'aménagement du territoire que toutes les chambres de commerce continuent à participer à la gestion de ces équipements. L'action numéro 2 qui est proposée dans le schéma sectoriel est de consolider le rôle des aéroports comme pôle économique. Les grands aéroports, que l'on parle de transport aérien ou de pôle économique, doivent être parfaitement raccordés avec leur territoire. L'action numéro 3 qui est proposée dans le schéma sectoriel est de favoriser et de renforcer l'accessibilité intermodale de ces plateformes. En matière d'environnement, nos 4 aéroports, Nice, Toulon, Marseille et ici Avignon, participent pleinement à la démarche de territoire d'échange exemplaire en PACA. Deux ambitions concernent tous les équipements. Aller vers une stratégie régionale, porte d'entrée euro-méditerranéenne, être force de proposition sur les projets de stratégie transport régionale, interrégionale, nationale et européenne. Leur statut public confère au CCI une mission au service de l'intérêt général et au-delà de considérations purement économiques. Enfin, il faut maintenir le maillage des équipements portuaires et aéroportuaires et renforcer le système de transport régional avec le développement des interconnexions intermodales. Pour nous, il y a un message politique à réaffirmer. Pour le réseau CCI, il est important d'être acteur et de rester acteur et gestionnaire d'équipements. Le positionnement géographique privilégié et l'héritage historique de notre territoire régional nous poussent à partager une ambition euro-méditerranéenne. Nous avons voulu positionner institutionnellement le réseau des CCI de PACA. Les équipements portuaires et aéroportuaires ont un rôle important sur la performance économique de nos entreprises. La présence et la proximité d'équipements portuaires et aéroportuaires contribuent à la compétitivité du territoire. Toutes les CCI territoriales de PACA veulent continuer à gérer les infrastructures. Elles ont la légitimité pour le faire, expérience, qualité, originalité de leur structure, présidée par des chefs d'entreprise élus. Pour conclure, nous avons fait 19 propositions d'action régionale des CCI.
pour faire de PACA un territoire d'échange exemplaire en France en développant la multimodalité et la cohérence à l'échelle régionale. Ce schéma montre la volonté des CCI de poursuivre à l'avenir leur mission de gestionnaire des équipements portuaires et aéroportuaires en s'adaptant à l'évolution de l'environnement institutionnel et sociétal. Enfin, je souhaite remercier tous les collaborateurs et élus qui ont participé à notre groupe de travail.